Et l'orphée fait partie de même groupe parce que dans l'église catholique. Les m'apprendre que yo kidnappé l'orphée, ça fait faire mal en pile. Parce que jour les comme ça pas l'orphée des cancers, l'orphée c'était yon moun qui te participé pour te organiser marathon pour moi. Et je viens de connaître que l'orphée son moun qui est diabétien, qui va mettre des médicaments. Monsieur Oman de Lonté, au gouvernement des familles, on boum l'argent. Journalistes, nous paguons. Nous paguons l'argent. Moi-même, ma première radicale, je t'en prie, paguez Lonté ensemble avec Kelly, avec famille. Parce que Lonté gagne pour l'argent médicaments, pas avec. Nos jours 14 février qui sont jours l'amour. D'abord, je t'en prie, c'est très petit l'amour ça que vous gagnez la caille. Pour la guerre pour frère. Parce que nous paguons l'argent. Nous paguons quoi? Simplement, dans quel que soit groupe, il n'y a pas de capacité, non, personne, quel que soit groupe, ravisseur qui prend l'entrée, on a pas décidé de faire pour la guerre pour faire. Je sais que vous êtes engagé à travailler la personne, parce que vous n'avez pas épargné de faire mal, nous mourir, on va pas l'entrée, Bon, dans la société, on a dit journaliste, c'est métier, c'est presse, nous qui les Nous n'avons pas pris, nous n'avons pas de valeur. Malgré que nous croyons que c'est nous qui nous mettons sous le monde dans le cela. Mais tout le monde, c'est parce que nous avons des micros, nous avons des ouvertes, pas que nous avons qui fait la société à défendre. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas pris nos moyens. Moi-même, dans le moment où je suis profité des journalistes, garder tête sur le verrou. Nous sommes une presse qui a des valeurs, nous avons une capacité. Il faut que les journalistes suspendent tout, pas n'importe quel micro. Il faut que les journalistes prennent valeur. Nous sommes une pièce importante. Sans nous-mêmes, la société n'a pas avancé. Moi-même, je demande pour les journalistes pour prendre conscience de eux-mêmes. Pour reconnaître que le métier, ça fait à exercer. Son bel métier, son métier qui est noble. Nous sommes supposés être nos valeurs. Surtout, mesdames, moi-même, je suis femme journaliste. Bon, au niveau de presse, même, je ne parle pas, mesdames, la presse pour rien. Je pense que l'on est femme journaliste ou si rien n'était. Ce n'est pas vrai. Nous avons la dame, nous avons mari, nous avons piscine, nous avons plus de valeur dans la société. Moi, je prends des 14 février pour journaliste, prendre tête aux valeurs, pour suspendre les micros avec les gens qui ne méritent pas pour nous, si la société est capable de faire. Merci. Je pense que le kidnapping, j'ai donné l'autre, c'est prétexte-là. Mais en général, que ce soit sur le pays, concernant les bonnes journalistes, et je dis à la somme qui dépasse, c'est ça que fait. Je t'ai dit ça en privé avec des collègues, avec des confrères, et moi je voulais dire publiquement, patron médias, commencer à penser sur des résolutions, commencer aux autorités compétentes pour responsabilité, parce que c'est anormal, je dis à. Ou insécurité sous quelque soit forme de tournée en fait divers. Je dis à yo kidnappé Jean-Tony Lorté, yo mandé un paquet d'argent, demain matin, les gens doivent moi-même, les gens doivent vous-même, les gens doivent n'importe quel. Donc ça veut dire, nous là, pour nous dire à bas kidnapping, à bas insécurité, sous quelque soit forme de, quel que soit le monde qui est victime. Là. Mais avec un focus sur Lorté, qui l'a depuis plus passé 11 semaines, avec toutes les familles, frères, et puis, quoi, je dis au kidnappé. Ok? Donc nous disons journalistes, il ne faut pas qu'il y ait de l'action professionnelle, il ne faut pas qu'il y ait de l'action. Nous, ça c'est un dossier, ok? Pour nous dénoncer silence complice d'État, le ministère de la Communication prend un message nous pour le côté privé, côté de l'arrivée par le gouvernement. Côté de même journaliste, nous avons aujourd'hui, nous avons demandé la libération de nos confrères qui gagnaient environ 15 jours de mes bandits. D'après le ministère de la Communication, vous prenez responsabilité. Devant silence complice ministère de la Communication par Azaxa,
nous campons devant aujourd'hui pour louer, pour le temps de messages, nous comme journalistes, pour dégager, pour résoudre la question de sécurité, pour que les journalistes puissent nous frapper. Les journalistes paient $200,000 pour bail. Et c'est mes ça que devant le ministère de la Communication. Nous, les journalistes, nous victimes. Le ministère n'a pas dit rien. Nous ne savons pas penser avec nous-mêmes, mais on gère solidarité. Mais on tweet nous pour le ministère de la Communication. Nous venons là, je dis, pour nous dénoncer le silence du ministère de la Communication devant les journalistes qui ont subi des questions d'insécurité. Non seulement les journalistes kidnappés, mais nous paquet de journalistes qui sont là avec nous, qui quittent la caillou, parce que les bandits font quitter la caillou. Je viens devant le ministère de la Communication, qui t'a supposé un pont en journalisme avec l'État, nous pas attendre sur la situation journaliste. Le ministère de la Communication, journaliste paye $200,000. Nous pas qu'à payer $200,000 pour libérer Jean-Tony Lhote. Et ce message, ça, nous ne pouvons pas dire devant le ministère de la Communication. On va continuer. Comme si nous avons là, ça va passer, le fait que c'est pas eux-mêmes qui ont fait ça. Eh bien, je dis à nous-mêmes, journalistes, nous venons de voir nous ensemble pour nous prier, pour nous l'amouer. Pour nous dire d'abord, la guerre de l'Ivoire sans condition avec tout le monde qui a kidnappé ensemble avec nous. Pour nous venir dire l'État, pour prendre responsabilité, parce que ça va passer là, quel que soit le jour où il est retourné sous l'État, c'est l'État qui est responsable de ce qui va passer là, parce que c'est grâce au pays avec nous là dans nous. Nous venons demander au ministre de la Communication, comme organe qui est dans l'État, qui a un rapport direct avec les journalistes, qui a un rapport direct avec la presse, et pour prendre responsabilité, non seulement pour supporter comme journaliste qui ont kidnappé, mais tout, pour votre parole là-bas, chef gouvernement, pour faire ce que le droit pour permettre que je vous l'ai avec tout le monde qui est avec nous, rejoindre une famille avec mon mieux, pour continuer à servir la société. Parce qu'au final, les journalistes là sont serviteurs. Son ciment en différentes couches en dans la société. C'est la société qui légitime le travail journaliste. Je vous le dis à la devant kidnapping de la société n'a pas le droit de faire silence. Nous n'avons pas le droit de continuer à accepter des bagages ça toujours. Donc, ça fait aujourd'hui, c'est un bagage très symbolique, son marché très symbolique pour nous ne pas dire rien, nous ne pas dire ni vivre ni en bas. Nous demandons une seule bagage, nous avons une seule revendication. Nous venons dire l'État. La responsabilité et nous vignes population, côté vous pour nous créer un phénomène qui est la pince dans le pays. Ok, et nous sortons de qui point à qui point. Donc nous sortons. Nous sortons dans le cas où nous remettons là, nous vignes faire escale devant le ministère de la Communication, nous gardons son devant le ministère de la Justice. Parce que nous, un ministère, ça, ce ministère injustice, qui est jour aujourd'hui, là, les gens qui veulent la justice, il n'y a pas de justice. Eh bien, nous allons dire aux nouveaux gens qui veulent la justice, qui besoin que la police, avec tout le corps qui est dans le pays, a intervenu pour libérer le couvert de la jeune famille. Après ça, nous allons devant vision 2000 pour des journalistes qui travaillent, pour des côté sympathie, nous, solidarité, nous, par l'autre confrère qui est dans la vision 2000. Nous allons dénoncer parce qu'environ une quinzaine de jours, nous avons un ravisseur sans info. Et il faut que ravisseur connaît un journaliste, par les moyens vraiment humains. Donc je dis à nous dans l'arrière, nous faisons solidarité à la famille Lhote. Avec toute l'équipe Radio Vision 2000, pour nous dire que les corporations avec eux, on a prêté solidarité avec eux. Et je dis, si Lhote n'est pas libéré, et la prochaine marche, prochaine manifestation a organisé, on dit que les journalistes ne travaillent pas pour grand propre, gens qui vont mettre en tête. C'est GFON après, c'est président Snapkembe. Et puis toutes ces relations humaines nous gagnent, mais nous ne gagnons pas propre vraiment. Donc économiquement parlant, nous ne sommes pas campés donc. Lorsque les gens ont été pendant ce passé 14 jours, la cas où la famille dit comment ils font vivre, puisque ils ont père de famille, ils ont madame, qui a plusieurs jours par le mari, nous avons compris le chagrin qui est dans la famille. Donc, nous avons supplié les bandits de libérer les gens de l'autre. Nous avons demandé aux autorités dans l'État de mettre les fonds pour finir la question de la sécurité qui est dans le pays. Parce que sans être trop, on en a marre, cette question de kidnapping qui empêche nous de circuler libre. Il faut que ça finisse dans le pays. Donc, aujourd'hui, nous venons pour nous dire, Jean-Tony Lhote, faut tenir à l'autant de crimes, nous être solidaires avec lui, et pour autant nous libérer, nous sommes toujours dans la rue pour nous demander libération vite et possible. Nous m'avez libérer, nous m'avez.
Et l'orté fait partie de même groupe parce que dans l'église catholique. Les m'apprendre que yo kidnappé l'orté, ça te fait mal en pile. Parce que jour les qu'on t'a pas l'opéré des cancers, l'orté c'était yon moun qui te participé pour te organiser marathon pour moi. Et je viens de connaître que l'orté son moun qui diabétien, qui va mettre des médicaments. Monsieur Yoman de l'Orté, au gouvernement des familles, on boume l'argent. Journaliste, nous paguons. Nous paguons l'argent. Moi-même, ma première radice, je t'en prie. Paguez l'Orté ensemble avec Kelly, avec famille. Parce que l'Orté gagne pour la prendre médicaments pas à faire. Nos jours 14 février qui sont jours l'amour. D'abord, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est l'amour ça que vous gagnez la caille? Pour la guerre pour frère. Parce que nous paguons l'argent. Nous paguons quoi? Faut que vous compreniez ça.